Il dirige l'Institut Gaudin à Amiens, qui est donc le partenaire de Tetris et en particulier du centre de recherche. Et il va nous balayer les différentes approches de l'innovation sociale pour qu'on partage un petit peu des éléments en commun. Depuis la loi du 31 juillet 2014, la loi dit ce qu'est l'économie sociale et solidaire, ce qui pour les juristes change de nature, même si pour les acteurs, ça ne change pas grand-chose. Pour le montrer, je voudrais revenir sur les origines de la définition des actions communes. Sur l'innovation sociale, on nous dit, c'est quoi vos indicateurs? Si je réponds à cette question, je ne fais pas mon boulot. Parce que si j'ai déjà des indicateurs là-dessus, eh ben c'est que j'ai déjà tout fait, alors qu'en fait, la suite de l'histoire, elle ne peut être écrite qu'avec les acteurs. C'est-à-dire que le boulot qu'on doit faire à l'Institut, c'est de construire un cadre solide, scientifiquement, qui peut, en quelque sorte, être une alternative par rapport à d'autres choses, mais à un moment donné, c'est un cadre qui doit laisser les pratiques s'exprimer, en quelque sorte. Et les morceaux de musique, on ne pourra que les composer sur les territoires, avec les acteurs, avec les pouvoirs publics, etc., etc., etc.